Allez, c'est parti. Objectif de capturer le troisième dresseur. Donc pour ce faire, on retourne ici. Bam. Bonjour la police. C'est pas moi. J'étais en train de dormir. Non mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Vous êtes trompé, c'est pas moi. C'est littéralement pas moi du tout, hein. Franchement, je vois pas de quoi vous parlez. Encore un type électrique, je m'attendais à un type feu. What? Oh la branlée que je viens de prendre là. Bah super, moi je m'entends pas. Ah, attendez, est-ce que j'ai un souci technique à mon avis? J'avais un souci technique. Alors, bon, bah je vais retourner. Ah, le claco que je viens de prendre, il est pitoyable. Faut que je régène en vie quand même, mais ouais, en plus ils m'ont tout pété, c'est vrai. Navi, il va pas être facile à pécho lui. Mais je suis deg, je m'attendais vraiment à un pâle type feu en fait. Donc ça se trouve, il a la possibilité d'être feu. Je sais pas du tout. Comment ça se fait qu'il dort encore lui? Ah, ok, il est bugué. It is bugged. Et toi t'es allé là-dedans normalement. Mal, mal, c'est que des mâles. J'ai pas chopé une femelle dans le lot, tu vas me dire? Bam, voilà. Ça, comme ça, c'est fait. Ok, ah oui, faut que je répare mon matos, j'avais dit. Bon là maintenant qu'on a vu la cinématique, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir refaire la manip sans perdre de temps. Comme ça je skip la cinématique.
Allez, tirez-lui dessus là. Bah, je vais faire ça parce que pour me déplacer rapidement, c'est mort. Yo Spirit, allez toi. Mais pardon en fait. Ah ouais, mais par contre sa technique là, ultra cheat, faut la capter au moment où il la balance. Bon, à mon avis lui il va être vraiment ultra chiant à choper parce que le... Les flics ils attaquent pas, je comprends pas. Ok, bah bonne pause. C'est embêtant. Qu'est-ce qu'il y avait là qui m'a mis là-haut? Je rêve où j'ai entendu un scintillement comme un Shiny. Ou c'est peut-être le petit, lui qui est là, là. C'est lui qui était là, ok. Des conteneurs, ouais. Ah du coup je suis sur ma partie perso là actuellement, Spirit. Bon allez, je recommence, je resserre une dernière fois. Si je vois que ça passe pas, c'est que c'est pas totalement buggé. Je pense pas qu'il l'ait patché parce que j'ai pas vu de patch. Ouais. Ils me suivent? Bah ils sont où? Oh, je suis allé trop vite, j'ai l'impression. Et voilà, c'est bon. Ouh, je suis là. Voilà, je suis en x2 maintenant. Emmenez votre cul, non? Ah, voilà. Attends, ils sont en train de se... Ils sont en train de se faire aggro. Non mais qu'est-ce qu'ils foutent? À mon avis, lui, il veut pas bug. Oh, quoique. C'est quoi ça?
Pourquoi ça fonctionne pas avec lui? Bon bah c'est mort, c'est rip. Lui ça ne fonctionne pas le glitch, tant pis. C'est bizarre quand même. Comment j'ai pu arriver à faire ce glitch là sur 2 et que là ça fonctionne pas? Non mais c'est cool ça. Ils sont buggés je crois, non? Choper là. Let's go. Ok, le deuxième. Ouais, si, quoique, tu sais quoi? Si, vas-y. On se fait le deuxième, comme ça j'ai le couple direct, on n'en parle plus. Ça le chatouille vraiment, c'est ouf. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non? Non, t'es méchant. Je me prenais son attaque dans les dents là, c'était fini pour moi. Je vais prendre un peu la hauteur. Putain, mais il veut pas se laisser faire lui. Hein. Quoi le truc qui est là-bas au bout? Allez, là c'est bon, t'as plus de vie, fais pas chier. Il va me casser les couilles. La jaune ça passe pas, mais la verte ça passe. Non mais. Foutage de gueule, hein. Big foutage de gueule quand même. C'est quoi ça? Ah mais c'est un piaf. Ah non, ok, c'est le genre de sorcière là. D'accord. Sa stamina a baissé d'un coup, bizarre. Salut Dark Phoenix, comment va? Là-bas forcément il y a un dresseur. Ouais ça va. Et le genre d'arbre mojo là, je sais même pas si on peut y aller. Je pense. Mais là faut que je prenne un pal aquatique, à mon avis c'est beaucoup plus vite qu'un qui vole là. Faut que je regarde si je peux pas les booster en stamina aussi, c'est pareil, mais... Faut que je regarde tout ça. Bon, y a-t-il un œuf? Eh ben non, y'a que dalle. Oh les boules, y'a même pas d'œuf là.
Là, je vais essayer d'y retourner aussi, même si je m'étais fait que le but la dernière fois. Tu joues pas la Ward toi aussi, Dark Phoenix? Ah, il y a un œuf là en bas, je crois. Yes. On est où dans le jeu là? C'est pas un œuf? Ah non, c'est un coffre. Fin d'un pas dans l'équipe, mais ça je comprends. Ah bah oui, je comprends pas, bah oui, quel Gaulmont, je l'ai pas remis aussi. Voilà. Là y'a rien de plus. Quoi y'a? Ah non, c'est un bug. Bug d'affichage. Mais là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir de tour de dresseur, donc en fait, je pense qu'ici, ça sert à rien de d'en trouver une. Mais par contre, t'as les structures anciennes, ce que j'appelle moi des monolithes, mais c'est pas des monolithes, c'est des monolithes, j'y arrive. C'est juste des structures anciennes. Il n'y a rien dessus. Je suis étonné. Je m'attendais à avoir des œufs, des coffres, des statues, il n'y a que dalle. Tu as un village dans le coin. Ok, bah je pense qu'il est en face, non? Village dans le coin, village dans le coin. C'est pas. Il est pas là-dedans là, non? Après, me spoil pas, hein, je préfère te prévenir d'avance. Merci de l'info, même si ça ne m'étonne pas, à vrai dire. Mais pas de spoil, s'il te plaît. Je me spoil déjà assez de trucs comme ça. Ça, c'est un normal. J'ai la statue ici. Encore un normal, t'as décidément. J'ai chopé au total, je crois que j'ai dû choper que 2 œufs énormes, je crois. Hein. Dommage. Ah bah ça par contre c'est très très con. Mais alors très 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 con. Minerai de métal, mais qu'est-ce qu'il fout là le minerai de métal? Ok. Wouhou! Je trouvais un minerai de métal super rare. Ouf. Attends, j'ai mal à la nuque. Oh, ça a l'air d'être un gros, non? Ouais, c'est un gros, je pense. Ouais, c'est un gros, bingo. Ouais, bah allez, dessin. Oh! Oh oui, lui, je le veux. Il a l'air sur Stylax. Ah ouais, il est trop beau. Il est giga trop beau. Par contre, avant toute chose, il n'y a pas de TP. Attends, c'est quoi celui-là? Astégone, ok, je sais pas. Allez, go!
pète-lui la gueule. Pas trop fort quand même, hein, que je puisse le capturer. Il a pas bougé l'autre. Pas plus, pas plus, pas plus, plus. Ah, non, 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 non. Pas plus. Let's go! Brûle une mystérieuse matière noire en énergie pour ensuite expulser les particules restantes. Quiconque le monte s'expose à passer du côté sombre. Il est stylé. Let's go. Ah, mais je l'ai du coup là. Ah non, je l'ai pas. Je peux voir ta base. Ma base, elle est merdique, y'a rien, y'a vraiment pas grand chose. Hein. Puis là, je t'avoue, vu que je suis en exploration, voir ma base, ça va être compliqué. Ça, j'ai pas non plus, je dis... Bah, si, c'est celui que je viens de... Non. Oui, non, non, oui. Oui, non, non, oui. C'est celui que j'ai déjà chopé ou pas? Ouais, Osef, de toute façon, dans le doute. Allez. Allez, Zoé. Dis bonjour au méchant, là. Il est beau, il... Non, c'est pas toi même. À mon avis, il va le tuer là. Non? Vas-y. Reste tranquille, reste tranquille. Il bouge plus. Non. Là, je vais pas te lâcher. Je vais même te foutre des petites pales bleues dans les dents, tiens. Ah non, ça lui fait rien du tout. Ok, bah vas-y, bon, mon choix une jaune et ferme-la. Allez. Let's go. Ah non, je l'avais pas, lui. S'il préfère la viande saine, il finit toujours par la manger contaminée. Cela est dû à ses griffes obscures qu'il l'utilise comme arme, ce qui a pour effet de maudire ses proies malgré lui. En plus, je l'ai chopé en stratège de forteresse. C'est un mâle que j'ai chopé? Ou c'est une femelle? Oh l'attaque! Vas-y Zoé, défonce-le! C'est quoi cette zone de feu là? C'est lui qui l'a... Attends, c'est lui qui génère cette zone là? C'est une blague. Si c'est lui qui balance là-haut, c'est une dinguerie par contre. Et allez, une pale boule dans le vent, ouais, super. Allez, laisse-toi te capturer. Vous êtes chiants, de toute façon, vous allez mourir. C'est soit vous mourrez, soit vous... Soit je perds des pale boules inutilement. J'en peux plus! Et laisse-toi capturer, putain! Je pense que je lui mets une. Ah non, je pouvais encore lui en mettre une, ok. Ouais, putain, et lui, il est pète burne! Bon, c'est pas grave, hein! Bah, j'allais dire, je vais bouffer toutes mes balles, bah oui, mais là. Non, 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 non! Bon, allez, vas-y, la giga, tant pis. Il casse les couilles, il veut pas se faire capturer. Non mais c'est une blague, non non mais le jeu il me troll là. Le jeu me troll littéralement en fait. Pourquoi tu veux pas te faire capturer toi? Oh c'est chiant, c'est trop trop chiant. Tu tryhardes comme Jaja pour les récolter sans... Bah sans... comment dire... Sans... Oh! Des flammes éternelles, martyrs. Vas-y, tente! Toujours pas! Ah ouais, non, en fait, c'est mort, ils sont inchopables en fait. Avec les petites palboules basiques.
Mange mes gros l'enculé. Mange. Ouais, vas-y, bah, va chier. C'est dommage, j'aurais bien kiffé les récupérer cela, mais bon, avec les petites pales balles bleues. Ok, alors. Il y a un œuf là, la façon qu'il est posé, est-ce que c'est forcément. Alors, forcément un énorme non. Je pense que c'est complètement full random. Il peut y avoir des trucs là-dedans, non? Non, c'est juste de la déco. Ça, je trouve ça vraiment dommage dans le jeu, par contre. C'est que... Sans parler de mettre des coffres ou des statues, ça aurait été bien de mettre... genre des pales qui ont rien à faire ici, mais genre qui se planquent dans... à l'intérieur en mode ah oh là là dis donc c'est pas j'ai peur oh là là voilà quoi et, ou des même des PNJ ça sentait trop bien ah, c'est trop fat je trouve voilà toi ah puis vivement que j'ai une arme à feu j'en peux plus des arbalètes là ou des vieux fusils de mort. Bon, à mon avis, il va falloir que je crafte vraiment la blinde de pale-ball jaune, là. Je peux rien faire avec les bleus, ici. Littéralement, je peux rien faire. Bon, y a-t-il une tour de TP, là? Non? Ok, là, je retourne dans le mauvais sens. Oh! Mais what? Mais elle est... c'est gigantesque, ici, le château. Trop bien. Ou alors là... là... J'espère que c'est un big. Non, ça va peut-être être un normal. Je vais pas y arriver. Non. Là, je parie, il monte pas. Là, il monte pas. D'accord, ok. Ouais, les décors... Ah, la map, elle est jolie, mais elle est ultra vite, je trouve. Après, c'est pas facile dans un open world, je pense, de mettre énormément de vie sans que ça impacte les perfs. Bon, ça c'est... Ah non, c'est anormal. Oh, vas-y. Les boules. Et là, tu veux dire, par exemple, qu'il n'y a pas de village. Il n'y a pas de village, ouais, ici. Si c'est le cas, ça fait un peu chier, quand même. Merde, le TP, je l'ai vu, mais il est où? Il est juste en dessous de moi? Juste en dessous de moi, déjà. Putain, j'ai trop envie de poser une base ici, en fait. Mais ça passera pas. C'est sûr que ça passera pas, parce qu'il va me dire, oui, structure à proximité, je sais pas quoi, là. Je pense pas que ce soit possible. Confrérie des flammes éternelles, martyrs. Ah ouais, ah, mais c'est peut-être là où il y a les... Les casse-couilles, là. Non? Voilà. Pourquoi le... Ok. Il y aura un ombrage d'éclairage d'un coup, là. Pas de boss. Pas de village. Vous voyez, c'est ça quand je vous dis que ça fait vide. Ça fait grave vide. Ils pourraient mettre 2-3 PNJ par-ci par-là avec leur feu de camp en mode... On reste là parce qu'on sait pas où aller, on a tout perdu, machin, chose, bidule chouette. Bon, par contre, là, tu fais pas d'effort. Mais y a pas. C'est dommage, je trouve. Tu peux te faire une base sur la... Sur la plage, là. Je t'appelle et tu viens même pas me voir. Par contre, des pales feu là. J'en ai avoir la blinde.
Là, y a rien, y a rien, y a que dalle. Ok, bah à mon avis, putain, mais là je peux pas y aller. Enfin, si je peux y aller, mais je vais me faire dégommer en fait. Ouais, non, mais encore tu peux. Ouais, si je peux peut-être faire une base, mais ça va être tendu. Je pense que si l'arbre à côté, on peut clairement y aller, hein. Oh, ça m'intrigue, j'ai trop envie d'aller voir. Attends, je l'ai capturé là, Pyrine. Ils sont jolis ceux-là. Hein. Oh. Ah ouais, c'est leur habitat naturel là. Mais vas-y, j'ai plus de pale-boule jaune, donc c'est mort en fait. Bon bah, je vais retourner là, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Que je puisse prendre un TP d'avance, comme ça s'est fait. Mais en fait, c'est une zone interdite ici. Dès que je vais m'en approcher, je vais avoir une alerte d'intrusion. Et dès que je vais attaquer un pâle ou attaquer un humain, c'est mort. Je vais me prendre un niveau de recherche bien coriace dans les dents, mais bon. Tant que j'ai le TP, je m'en fous. Tant que je meurs pas instantanément, si je m'en fous. Deuxième zone sauvage. Qu'est-ce qu'ils appellent deuxième? Ah oui, parce que t'en as une là. Et une là, c'est ça qu'ils doivent appeler zone sauvage. Il n'y a pas l'air d'avoir de TP là. Hein. Même là, en fait, même ici, je pense que j'aimerais bien mettre une base. C'est plat, je trouve ça trop stylé. Ah, bah tiens, il y a un Michel. C'est trop stylé, mais je pense que ces cailloux-là, ils se cassent pas en fait. Non, ça a pas l'air d'être une zone interdite ici, non? C'est bizarre, je comprends pas. Oh! Oh! 42, ok. Je m'attarde pas là du tout. Hein. Je vais mettre des bases partout. Mais non, c'est que c'est possible d'en mettre partout et je t'avoue, je recherche en fait un spot stylé, accessoirement, mais surtout pratique parce qu'en fait, t'as des spots où si tu t'installes correctement au bon endroit et qu'en plus de ça, tu... Oh, il y a une plante. Tu protèges bien à des endroits spécifiques. En fait, les raids, ils ont pas lieu parce que ceux qui traident, ils sont par exemple en hauteur là, toi t'es en contrebas là, t'es en hauteur là, ils tombent pas, ils descendent pas. Donc en clair, tu peux te faire plaisir. Attends, je peux vraiment passer devant eux, genre normal. Attends, mais c'est bugué. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait éclater le fion. Ok. Ok, bah let's go. Oh, moi, si on me dit rien, je continue, hein. Je pense qu'elle est buggée, la zone. Et ouais, tu vois, ça se casse pas. C'est forcément du... Ça fait partie du décor. Donc vraiment, à mon avis, ici, c'est impossible de construire. Je pense. Non pas parce qu'il y a trop de choses, mais... Mais je pense que tu peux pas, ça doit être une zone neutre... impossible de construction. Donc déjà, il y a moult coffres, il y a les fameuses plantes, là, d'ailleurs. Et ça, celle-ci, faut que je prenne le temps de les récolter, parce que c'est quand même assez important. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, en mode... ouais, je peux quand même poser quelque chose, mais déjà, le sol, il est pas droit. Alors, tu peux build sur quelque chose de pas droit, c'est pas... Et non, c'est quoi ce truc? Oh, putain de merde. Il est trop stylé, scorpion. J'avoue, j'en ai jamais trouvé un seul. Non, 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 pas Crémoncourt. Non, 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 non. Ah, mais parce que si je pose le pied au sol, c'est Crémoncourt. Voilà. C'est bien. Qu'est-ce que je pensais que je pensais? Non, c'est pas moi, je m'en vais. Non, non, non. Ah ouais, donc du coup, le fait de me trimballer sur le pal, ils s'en foutent. Parce que pour eux, genre, c'est le pal qu'elle a, quoi.
Livre de technique supérieure x2. Je vous. Oh, pendentif de vie. Un accessoire permettant d'accroître légèrement les PV. Trop bien. 788. Ah oui, enfin légèrement, je prends quand même 48 HP de plus. C'est pas négligeable, je trouve. J'ai rien fait. C'était mes pieds. C'est pas moi. J'ai glissé, chef. Alors attendez, parce que c'est juste ça ou il y a quand même quelque chose de caché à des endroits? Après, ceci dit, je trouve ça vraiment une zone stylée. Hein. Il n'y a pas de statue de TP, il n'y a pas de statuette à récolter, il n'y a pas l'air d'avoir d'œufs non plus. Ah, c'est pareil, il va me dire recherche. Ah non, là, ils s'en foutent. Là, je vous le dis, chat, moi, mon objectif, c'est d'aller là-bas. Je pense qu'on peut y aller, parce que, à mon avis, ça doit être là. Hein. Je pense qu'on peut y aller. Le seul truc, c'est qui me ferait chier, c'est que je meurs. Parce que j'arrive à une genre de pseudo-limite. C'est ça qui me fait vraiment flipper, en fait. Surtout qu'il n'y a pas de TP juste là, donc c'est-à-dire que faudrait que je me TP ici, que je me retape tout le chemin. Vas-y. Je suis pas chaud du tout, en fait. Non, bah, je pense pas qu'il y ait plus que ça. Je vais aller là. Parce qu'il y a un TP qui se trouve juste ici, d'ailleurs. Et après, j'avise. Je check si je fais ce move-là ou pas. Je peux. Ah, c'est bien, quoi. J'ai bien vu un coffre. Bon, après, la zone, elle est cool. Mais ouais, elle est pas... Elle est... Je vais pas dire qu'elle est hostile, mais bon... T'imagines, toi, tu builds là-dedans. Le style est bien cool, je trouve. À mon avis, les raids, tu peux les dodge facilement. Et regarde la vue de malade mental que t'as. D'un côté, t'as la neige. Là, t'as des constructions anciennes plus un château. Et de l'autre côté, t'as l'arbre divin Mojo de la mort qui tue. Ça serait trop bien. Mais... Comme c'est une zone où si je pose le pied... Je suis recherché, à mon avis, c'est pas le bon endroit pour mettre une base, hein. Clairement pas, c'est perdu d'avance en fait. T'imagines, à chaque fois que tu t'es pas à la base, oh là là, attention, vous êtes pas chez vous. Moi j'ai fait ma maison, je suis chez moi pourtant. Et puis ces gardes là, quand tu les tabasses, ils sont au level en soi, mais t'as l'impression que, comment dire... Qui sont vraiment blindés en fait. Vraiment blindés de chez blindés. Ouais, ou même carrément, voilà, carrément build sur l'île. C'est trop beau là, t'as tellement de décors différents. Tu vois là, le petit le PNJ qui est là avec son feu de camp là. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment partout. Parce que le château il fait ultra vide. Hein. Et lui, pareil, si je l'attaque, je pense que je me fais aggro par les flics. Par la flicaille, par les poulets. Là, par contre, il y a un camp juste en face. Je vais aller checker. Ah oui, en plus, ça tombe bien, je voulais checker cette île-là, voir si ça valait la peine de se poser dessus, enfin, de mettre une base. Et là, Spirit, tu veux dire, encore, tu vois, tu veux mettre des bases partout. J'ai que deux bases actuellement, et ces deux bases-là, elles sont vouées à déplacer... Ah non, c'est pas un œuf de dragon, j'ai cru, de loin, mais non. Même là, regarde, t'as vu comment c'est stylé avec les ossements? Moi, je vais avoir un spot de fou malade. Là, c'est stylé, mais à mon avis, tu te fais raid... Tu te fais emmerder pour rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu te fais raid plus, en fait... Alors, c'est pas ton niveau à toi, c'est ton niveau de camp. Si ton niveau de camp arrive vers les 30,
tu te fais raid par des piafs ultra puissants qui canardent avec des boules de feu et tout, et qui te rasent complètement ton camp. Donc en fait, c'est pour ça que j'essaye de réfléchir directement au meilleur spot ever. Comme ça, pour pallier à cette problématique-là, tu vois. Tu sais quoi, juste pour le fun, on va le lâcher lui. Non. Je lance qu'il vaut. Mon avis, il va faire un sacré carnage. Ok. Attends, vas-y. J'attends, je bouge pas, je fais rien, promis. Oh, ce qu'il a pris. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Va chier. Tu veux pas te laisser capturer, je te défonce. Moi, c'est bon, on m'a saoulé. Attends, je rêve ou je recharge plus vite là? Attends. On me dit pas que c'est ce pal là qui me permet de recharger plus vite. Bonne année, Pirka. Profite bien de la mama. Attends, c'est pas lui qui m'aide à recharger plus vite, non? Non, rien à voir. À toutes. Non, c'est pas lui, je comprends. Oh putain. The semi rolling. Bon. Ici, il y a un camp, un French quinquin. Hop, et en plus, il y a un autre TP juste à Teco. Ah, et puis c'est pareil, l'idéal, je pense, après, bon, c'est qu'une vision des choses, hein. Mais l'idéal, c'est de mettre une base où il n'y a pas de TP. Tout simplement plus pratique. Là, c'est plat, mais et c'est stylé. Oh, attends, dis-moi, l'intérieur, c'est une dinguerie. Oh, en plus, il y a un arbre à l'intérieur. Oh. Oh, c'est sexy, cet endroit, hein. Ah ouais, t'as une statue, là. T'as un arbre en bas. Est-ce que je peux augmenter ma force de capture? Oh, let's go! Ah ouais, je suis à 29. Tabarnak. En plus, il y a encore un sacré moutmout là. Deux moutmout. Là, concrètement, bon, j'ai pas la place. Mais là, ce serait trop stylé de build ici, en fait. Ça serait giga ultimement trop stylé. Non seulement il y a un arbre à fruits ici. Ouais, je crois que je vais vraiment rester sur ça. Je crois que c'est ce que j'avais fait là-bas. Là. Je crois. Ouais, c'est bon. Comme ça, au moins, je garde ça en mémoire. Là, ici, ouais, ici, j'aimerais bien build. Mais le problème, c'est que dans l'eau, on peut pas build comme on veut, je crois. Hein. Puis là, c'est ultra restreint en place. Hein. Tu peux pas faire comme tu veux. Mais, en termes de protection, Spirit. Regarde, Spirit, j'ai trouvé ça. Cette zone-là, là, elle est cool, mais regarde. T'as un gigatrou, dommage. Bon, c'est stylé avec l'eau, mais dommage qu'il y ait autant de niveaux différents et que ce soit de l'eau. Parce que là, techniquement, tu builds de là. Normalement, ils peuvent pas venir te faire chier. Parce que rien ce soir, mais du coup... Ah, t'as le droit de faire ça? J'aurais pas pensé, tu vois. Je pensais que... Tu pouvais pas rentrer avec le véhicule de fonction, parce qu'un bus... Ou à mon avis, tu dis ça pour troller, peut-être, mais... Ah, t'as le droit, ok. Faut que t'aies la place chez toi et tout, putain. Ouais, et puis du coup, le lendemain, tu repars au dépôt pour faire une autre ronde, et puis tu... Tu reprends ta caisse après, quoi. Ok. Bah, let's go, alors. Trop bien. C'est un gros celui-là. Oh oui, celui-ci ça a l'air d'être un gros. Peut-être pas, si. Non, oui, non. C'est un gros. Je commence un peu à les reconnaître. Tu vois, là c'est pareil, il y a deux feux de camp où c'est bugué, non? Non, c'est pas bugué. T'as deux margoulins à cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ta gueule, toi. Ta gueule aussi.
Ah, alors attends, toi, je vais essayer de te capturer même si t'es niveau 30. Ah, faut que j'essaie de capturer les deux. Comme ça, au moins, je peux les mettre dans une base et j'aurai constamment... J'en aurai constamment pour moi. Ça sera trop bien. Faut que j'y arrive. Alors, comment je vais m'y prendre? Parce qu'à mon avis, j'en attaque un, deuxième, il me saute dessus. Voire même, j'ai la pilice. Pelle la pilice, pelle la pilice. J'ai une tour de TP à côté, ok. Et j'ai une pale de chaque. Ah ouais, crime en cours du coup, ouais. Bah... C'était sûr que j'allais me faire aggro, mais si je peux le... What? Ouais bah non. Ouais bah non, putain. Je vais pas pouvoir le fumer, je pense. Mais je tente quand même. Allez, s'il te plaît. One shot. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, et merde, là-bas, c'est mort. C'est mort. Vas-y, vas-y, attaque-les, attaque-les, défonce-les, voir si c'est possible. Ah oui, c'est largement possible. Je suis que de voir avec quoi ils vont m'attaquer après. Ils ont... Ah, il faut que je m'en fasse... Oh, t'es... Quoi? Tu me tires! Allez, défonce-les, hein! Putain, je suis niveau 4. Je sais même pas ce qui va se passer si je suis au level de recherche. Faut quand même que je me rapproche le plus possible de la tower. Là, je suis niveau 5. Oh, lui, c'est le boss! Ah mais ok, c'est que des boss qui pop. Mais pardon. Il va se passer quoi à la fin? Je vais avoir un tank sur ma gueule. Il va se passer quoi? Ah, ils sont trop là. Oh. J'aimerais trop en capturer un. De toute façon, je vais mourir, c'est sûr. Attends, niveau 7 de recherche là, niveau 7 de délit, c'est ouf. Hein. Ça fait super mal. Mais c'est pas grave, au moins j'ai testé pour vous. Oh, bah c'est bien, ils ont bien dégrossi les kiki là. Les kiki, les pépières, et oui, qui est sur pépière là. Oh oui! Je vais faire ça vite avant d'aller chercher mon Baudi, you know? Que j'ai cherché mon Baudi. Ah oui, je vais complètement chercher. Ah bah ouais, mais au moins je teste, tu vois. Voilà, ça c'est fait.
Je vais reprendre mon stuff et après je vais retourner au camp pour me refaire du des palballs là parce que... Je vais voir, je crois que ça coûte cher quand même les jaunes à faire mais bon... Il faut ce qu'il faut quoi comme on dit. Ouh c'est dangereux ce que je viens de faire, j'aurais tellement pu m'éclater les guiboles. Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'était gratuit, je sais. Ah, qu'est-ce que tu me veux, toi? Dégage. En plus, j'arrive à être full, là, donc il faut... Ouais, faut que je ramène tout ça. Faut que je ramène tout ça à la maison, l'eau. Bon du coup le glitch pour obtenir le troisième dresseur, enfin un troisième dresseur, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne vraiment bien. Pas moi. Je rigole, c'est entièrement moi. Ça c'est chiant ça. Ils ont peut-être déjà fait la correction. Mais peut-être, mais j'ai pas eu de mage donc le glitch je peux le générer mais il ne se fait pas... Ah comment te dire? Je sais pas. Est-ce qu'il est trop haut level le boss pour que ça lui fasse ni chaud ni froid et qu'il me focus, qu'il me hard focus? Peut-être, je sais pas du tout. J'en ai déjà deux, on va me dire c'est bien et c'est cheaté. Ouais, moi j'aurais voulu avoir les 5 en fait, juste pour le côté collection et voir le délire sur le principe. Mais bon, on verra bien. Ah, j'ai quand même eu deux gros œufs. Hein. Une heure, il fait un peu froid, oh, tu fais chier. Hein. Ah ouais, une heure parce qu'il ouais, fait un peu froid pour lui. Ouais, mais il fera meilleur quand il fera jour. C'est QFD. Voilà. Pour le moment, je stack tous les fruits pour les pales, on verra plus tard. Attends, plan de beau de home en métal 2. Plan de pistolet 1. Plan de casque. Ah mais le casque, c'est quoi comme casque? Couronne de bon. Attends, vas-y, je veux crafter tout ça pour le fun. Avant de bouger, je vais refaire tout ça. Et je vais faire ça en plus, et voir même le vieil arc pour voir les stats du tout le bousin, l'eau. Ouais, bon. Avant, on va vous péter la gueule, bougez pas. D'ailleurs, je sais comment je vais leur péter la gueule. Regarde ça, Spirit, tu vas gaulerie. Bonjour! Ah si, t'es passé! Je rigole, t'es mort. J'enchaîne mon champ! T'as chez moi ici! Oh, je vous baisse! À la gauche! Il est encore vivant, ce con! Ah mais attends, j'ai pété quoi là pour qu'il y ait autant de bois? Normalement j'ai rien pété. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais quoi? Oh.
Aspirateur Dyson. C'est super bien, c'est super chou. Mais ouais, c'est quoi cette connerie là de... Pourquoi il y a tout ce bois là? Putain, j'ai rien cassé pour qu'il y ait autant de bois. Dans mon avis, c'est encore un énième bug à la con. Ou à con, ça dépend comment on le voit. Celui, je vais le garder précieusement. Enfin, précieusement, je vais juste le ranger. Ça, c'est good, 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 good. Mais alors. Ah, j'ai plus de tissu. Enfin, de laine. Fuck. Allez, c'est l'heure de la récolte. En fait, les bleus, j'ai plus du tout besoin de les crafter. C'est dingue. C'est overcheaté, ce truc-là aussi. Ok. Alright, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux absolument faire? Couronne en or, pour le moins inhabituel, le simple fait de la porter pour créer un sentiment d'autorité. Couronne qui aurait été portée par des individus de haut rang, son poids et sa taille ne sont pas adaptés à une utilisation quotidienne. Vas-y, j'ai envie de... juste j'ai envie de le faire. Et ça, je vais quand même la faire aussi parce que ça m'intrigue. Elle est légendaire, mais... Attends, c'est niveau combien, Eldel? Travaux manuel niveau 2. J'ai pas un travaux manuel niveau 3, moi. On va passer la semaine, là. Je peux en faire 179. Non, faudrait que j'en fasse 50, je pense. Ça sera déjà pas mal. Alright. Et du coup, j'ai pris des levels, je vais pouvoir déverrouiller les... Ah, toujours pas? Ah non, j'ai pas pris... Non, justement, j'ai pas pris de level, effectivement. Je me rappelle que j'ai pas pris de level, en fait. Je dis de la merde. J'ai pris des points, mais j'ai pas pris de level. Qualité, faudrait je... Lit de qualité, une meilleure récupération. Je pense que je peux régénérer de la vie grâce à ce lien maintenant. Et il me reste combien là pour passer à un level? Ouais.